Et bonjour tout le monde, nous sommes dans un petit morceau de l'Afrique à Nîmes, en compagnie de Muyiwa Konunji et son band Osemako. Regardez, ils sont par là, ils vont faire coucou. Oh yeah! Et je vous propose d'attaquer direct par un morceau. Allons-y, c'est parti. 3, 2, 1, c'est à vous! Oh yeah!
Yo,
Merci. Apero time. So we take some. Ok, je me suis laissé surprendre par l'apéro time. Donc si c'est l'apéro time, alors je vais. Alors attends. We're on, yeah. We said three tracks. You play two. Oh. That's right. Okay, we on. So carry on. Yes. Yes. Okay. Let's go. Correcto. Muy bien. Respecto. Maximum respect. We'll be right back.
Benjamin Atiu. Baritone saxophone, Jerome Shalanda. Alto saxophone, Christoph Natal. The only lady in the house, vocals Shekere. Tiffany Kwame. Hello, well, happy birthday! Yeah! Happy birthday! Hey Abu, yeah, thank you so much for being with us. I think we're gonna take a little break and then we'll join you in a few minutes. It's Apero time. Thank you.
bakuno mlenu jemi chamu nonjo bakuno kojo dada kuno jo dada. Yeah! Respecto. Respecto et respect. Et respecto et respecto. Eh bien, s'il y a bien un truc que j'ai appris avec toi, Mouiwa, c'est respecto. J'ai envie de le dire à tout le monde, à toutes les sauces, tout le temps, partout. Ouais, c'est voilà, c'est la marque de. Je pense que tout le monde est d'accord avec respecto. Et c'est sur le chat, hein. C'est sur le chat, on a respecto. Alors il y a plein de choses qu'on me demande sur le chat. Alors il faut que tu te mettes à ton micro, Mouiwa, comme ça j'ai le plan sur toi, sinon t'es hors champ. Superbe. Donc merci, merci déjà pour recevoir Apéro Live dans cet endroit qui n'est pas chez toi, qui est à Calcutta. Calcutta, on est à Calcutta. Alors j'ai sur le live des gens qui posent des questions. Donc bonjour le live, bonjour. Ben, alors nous avons sur le live, nous avons Majda, nous avons VHS Savior, nous avons qui c'est que nous avons encore. Nous avons Stéphane, hop, vieux maire, nous avons plein de gens, il y a une vingtaine de personnes déjà qui posent plein de questions. Voilà, donc des questions, alors qu'est-ce qu'on a? Bah, les influences, quelles sont tes influences? Ah oh, mais on n'est pas loin, hein. Parce que quand on vous écoute, tout qu'est-ce qu'on fait, la première chose c'est vous la santé, il y a la phobie dedans. Et quand vous dites ok, l'influence, ah c'est beaucoup, la phobie c'est le base. On peut dire, parce que j'ai l'opportunité aussi de jouer avec Fela, donc grow influence. Et après je suis parti dans d'autres choses, par exemple Miles Davis, c'est my hero, et beaucoup d'autres aussi, dans le manière d'écrire, Thelonious Monk, par exemple, donc j'apprends beaucoup de choses avec beaucoup d'autres artistes, qui fait les choses. Alors moi je vais rebondir là-dessus. Donc tu as des influences musicales, mais est-ce qu'il y a d'autres influences dans ton entourage, c'est-à-dire peut-être le film, la vie en général, l'actualité, les échanges, qu'est-ce qui t'imprègne, qu'est-ce que tu racontes dans tes paroles? Ah oui, c'est qu'est-ce qui se passe. Si on écoute bien par Afrobeat, on voit que c'est vraiment engagé. Donc ça parle de beaucoup de choses qui passent dans nos vies aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, le dernier morceau on était joué, c'est Recipe of Death. Il parle de nourriture. Qu'est-ce qu'on mange? Parce que le compagnie, tu vois, il y a beaucoup de compagnies aujourd'hui, ils sont... c'est quoi cette mot? Ils ne pensent pas vraiment à notre santé. Ce n'est pas leur problème. C'est profit. Profit. Et c'est ça qu'on parle dans l'album aussi. On dit oui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est juste accumulation de le profit et pouvoir. Et c'est pas tout. So it's going around like a virus. I think it's deadlier than COVID. These are the lyrics about recipe of death. Yeah. Because, the food we eat, is becoming, il y a beaucoup de chimiques dedans. Et quand on regarde les gens, ils parlent vraiment de ça. Ils vendent le commodity, même nos chemises, c'est bio, ça devient organique. Après quelques moments, donc on parle de ça. On parle de corruption qui est là toujours, qui c'est tout le temps. Et le premier morceau, par exemple, c'était Bro Hugh. Ça, c'est un hommage à le pioneers de musique afrique qui sont passés, qui nous donné beaucoup de choses. Par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui sont partis. Ça fait 2-3 ans pendant l'année Covid. Tony Allen, par exemple. Il y a Tony Allen, Manu Dibango, Mori Kante, Majek Fashek, Dr. Victor Abimbola, il y a la trentaine. Donc il y a beaucoup de gens qui sont partis ce moment, donc c'est un hommage to them. Là, je vois que tout le monde est parti aller chercher de l'apéro, donc on n'oublie pas qu'on est à l'apéro libre, il manque la moitié des musiciens. Revenez un petit peu dans le... Alors, oui, venez par là. Ouais, je vois des bières, je vois des...
Dernière petite question qu'on m'a posée. Alors, les influences, bien sûr. Et où est-ce qu'on peut t'écouter? Maintenant, par Google, comment on peut aller à Paris. Première chose, pour faire une petite promo. Donc, RFI, pour une live session. Et on attend pour avoir une date qui pour nous ramener là. On peut faire tout nos nécessaires promotions. Donc, on est sur la promotion de l'album, App encore. Chercher de place encore pour jouer, pour présenter dans beaucoup de villes, you know, partout. Je vous propose de retourner. Qu'est-ce que vous allez nous jouer là par exemple? Qu'est-ce qui arrive derrière? Comme morceau? Ah oui, tu parles de le prochain morceau, oui! Ah, oui. Le prochain manteau, la morceau. Comme d'hab, on va vous visiter une petite de le dernier album. Dans l'album Mojubao. Il s'appelle Everything That Has Breath. Et après, on enchaîne avec un morceau qui s'appelle Giant of Africa. Et après, on va vous faire un spécial morceau de faire la côté pour terminer le soir. Let everything
led to everything. Praise his name. Yahweh, oh, Nahim, I go sap. Nahim, I go praise. Nahim, I go sap. Making a jummy praise, Baba. Nahim, I go sap. Nahim, I go praise. Nahim, I go sap. I'm making jummy praise, Baba. Let everything, let everything that has breath. Praise his name. I'm making jummy praise, Baba. Let everything. Let everything that has breath. Praise his name. I beg you, jump me praise, Baba. Nahim I go sap. Nahim I go praise. Nahim I go sap. I beg you, jump me praise, Baba. Nahim I go sap. Nahim I go praise. Nahim I go sap. I beg you, jump me praise, Baba. Oh yeah, jump me praise now. Jump me praise now. Praise the Lord. I beg you, jump me praise, Baba. Oh yeah, jump me praise now. Oh yeah. Join me, praise and now. Praise his name. My we on our way. Oh, me only fall on me. Dagula. My we on our way. Oh, in your now way. In your now way. In your now way. In your now way. Oh, in your now way. In your now way. In your now way. We are not with oh. Yeah, baby. When I say Oja Leke, we di Oja baby. Oja baby. Oja baby. Are you a quelqu'un là? No. Okay. What happened? Oja Leke. Oja baby. Oja baby. Oja baby. Oja Leke. Oja baby. Oja baby. Oja. Oja Leke. Oja. Oja baby. Oja. Ujalek, Uja, Ujabib, Uja, Ujalek, Uja, Ujabib, Uja, Eni, H, Eta, Eni.
Yeah.
And to finish the night, I'm sure you can still keep on dancing. We're going to play a track from Fela Kuti. I'm sure some of you that love her full beat, you know the track already. So we're going to play a track called JJD. Oh, yeah. Thank you so much for being there. I'm gonna go get some more.
Thank you.
Merci beaucoup. Merci. Merci. Wow. Alors, on a Julien Carter qui disait « Vous entendez pas, mais ici, on applaudit. » Il y a Majda qui pose plein de questions. Pourquoi la trompette? Meilleurs souvenirs de scène? Les projets à venir? Comment va Chris? Je vais bien. On a la grillonne. Ah, la grillonne. La grillonne, c'est le prochain apéro livre. Il va falloir écouter ça parce que c'est juste sublime. Qui nous dit « Magnifique morceau, merci. » Voilà. On a Stéphane Viomer qui nous dit « Giants of Nîmes. » on a Guillaume qui dit « Oh, ça part en groove ici, ça groove, ça guinche. » On a Majda qui dit « C'est de la torture, j'aimerais tellement être là avec vous, versus seul à remuer dans mon salon. » C'est vrai que ouais, nous on est là, on se remue de ouf, je pense qu'on va regarder des séquelles. Il y a Michel Larobe qui dit « Elle est où la disto ?» Mais ça, c'est un troll. La disto, la distorsion, les guitares électriques, les gros. C'est de la provoque. Stéphane Viomer qui dit « Elle arrive. Le monde note que les musiciens se font rares sur scène à l'heure d'Ableton, donc les machines, quoi. Vous êtes là ensemble au point. » Voilà, donc c'est super, c'est de la résistance, c'est génial. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de musiciens parce que ça coûte trop cher, voilà. Donc vous êtes là pour résister, c'est juste sublime. Tac, tac, tac. Stéphane Viomer qui dit « Mouyiwa, tu as retrouvé une trompette ou tu l'as réparée ?» Ah oui, ouais. Je vois que c'est réparé. C'est réparé. Wouhou! Et oui, parce qu'il faut savoir qu'on a quelques petits morceaux bonus qui vont arriver bientôt parce qu'on a enregistré Mouyiwa pour la première partie de Kezia Jones, Mouyiwa et Osemako, en première partie. Et juste avant de commencer, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une chose. Je ne peux pas oublier cette date-là. Je remercie tout le monde tout d'abord parce que c'était chaud. Je vois le team, tu vois, le Fabricio, ils sont là, tout le monde, il est là, on va dire. Le technicien de Paloma, tout le gens, tu vois, le directeur, tout artistique directeur de Nîmes Métropole Jazz Festival aussi, tout le monde. Les gens savent peut-être pas sur Internet qu'est-ce qui s'est passé au moment de commencer, parce que moi j'y étais, moi je... La trompette s'est cassée. La trompette s'est cassée. Mais le personne qui demande est-ce que c'est réparé, il sait. Lui il sait, oui, lui il sait. Parce que quand il demande c'est réparé ou c'est nouveau, ça veut dire qu'il sait que la trompette il est cassée. Mais oui, tout le monde qui était à Paloma, on voit tout le monde. On est juste là. Quelques minutes avant le début de le concert. Et il y a l'artistique directeur qui était venu pour dire « Oui, je t'ai introduit, je pense que c'était le président de la métropole. » Et je prends mon trompette sur le stand, juste exactement comme ça. Dans le micro, parce que sinon ils ne vont pas entendre sur Internet. Et quand je vous saluer, mon trompette est là. Et tu vois, la trompette tombe. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, c'est gros drama là, parce qu'on est juste devant la scène. Donc c'était pas facile. C'était chaud, oui. Mais il y a les gens qui disent, ah oui, t'inquiète, on va regarder, qu'est-ce qu'on fait. Même tu vois, tous les gens qui, même peut-être c'est pas une trompettiste ou un réparateur, ils devenaient un réparateur ce jour-là. Tu vois. Parce que tous les gens, ils disent, il dit, donne-moi la trompette. Tout le monde veut réparer la trompette à ce moment-là. Tu vois, c'est chaud. Et donc, oui, il y a tout le monde là qui était vraiment, vraiment fort. Il y a une positive vibration, you know, avec tout le monde qui était là ce jour-là. C'est magique. Donc, finalement, on a joué deux morceaux sans la trompette. Mais c'est la première fois pour moi que je suis sorti au scène sans la trompette. Déjà, ça dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que je... You know, c'est pas... Wow. Un grand moment de solitude. Ah oui, c'est gros, hein. Mais ok, on doit jouer. On a la chance que les gens disent, ok, je vais chercher. Oui, on va arranger. Donc, il y a, comme je dis, Paloma, you know, artistic director de le festival, tout le monde, ils sont mis la tête et tout le monde cherchait une solution. All my friends, you know, in the band too, we are calling somebody, you are there, you know, you have a trumpet, you know.
Do you have a trumpet? Yeah, 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 tout le monde était en train de chercher s'il avait une trompette pour t'aider. Donc, I see the you know, positive energy. Oui. Vraiment bon. Ça passe bien. On a joué deux morceaux et après le troisième morceau, le trompette, il arrive. Et waouh. Alors, je vais terminer, il y a quelques questions encore, mais je pense qu'on n'aura pas le temps, on est sur la fin en tout cas. Il y a Dan Service qui demande « Mais vous êtes où ?» Et on lui répond « Nîmes, un endroit secret », parce qu'on est dans un endroit secret. Merci d'ailleurs à tout le monde dans l'endroit secret de nous avoir accueillis si secrètement avec bienveillance. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Scarpati Alexandre qui dit « Salut Chris ». Bon ben voilà, c'est personnel. Et « Born to Brass Power ». Bon, ça c'est la petite histoire. Et Guillaume qui dit « Positive Vibration ». Écoutez, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de suite. Merci beaucoup encore une fois de nous avoir complètement explosé de bonheur. C'était génial. Vous pouvez vous rassembler, comme ça vous faites un au revoir et que tout le monde vous voit en ligne. Merci à tout le monde en ligne. Merci à Guillaume, Stéphane Vieux-Méabre, La Grillonne, Majda, VHS Savior, Michel Larobe, qui c'est que j'oublie, il y en a plein, Dan Service, donc Guillaume, Julien Carter, Scarpati Alexandre. Merci à vous tous d'avoir été là. Je vous aime très fort. Regardez, j'ai réussi à sauver une olive de tout ça. Et on va continuer l'apéro parce qu'il y a plein de super choses encore à bouffer et à boire. Je passe la caméra à vous. Vous pouvez dire au revoir. Merci beaucoup. Salut Alex. Salut Alex. Voilà. Merci beaucoup. On n'hésite pas à liker, à partager et soutenir la chaîne comme vous pouvez, comme vous voulez, ça nous aidera beaucoup. Et merci d'exister, vous êtes merveilleux. On se dit à très bientôt pour La Grillonne. Ce sera le 25 octobre. Je vous aime fort. Au revoir. Mmh.